Nous, en tant que président de la Commission Affaires étrangères Sénat, ensemble avec membres de la Commission, nous avons une responsabilité pour évaluer la diplomatie noire à travers le monde. Puisque nous avons environ 54 missions, dont nous faisons Europe d'une manière générale, nous faisons Amérique du Nord, et le travail nous a continué. Pour qui ça nous fait zone Sahel et continuer à avancer dans l'autre zone? C'est parce que nous comprenons que là, nous déplacer, il y a trois volets là-dedans. Un volet politique qui permet que au moins nous garder est-ce que représentants nous maîtriser politique côté accrédité. Est-ce que il y a un relais entre Port-au-Prince et l'autre pays à travers mission diplomatique yo? Qui possibilité de bourse qui gagne pour jeunes haïtiens qui évoluent en Haïti? Qui possibilité de jumelage qui gagne entre différentes communes côté accrédité et pays? Parce que il y a des pays nous gagne des histoires qui semblaient à yo. Nous, c'est ancienne colonie française, nous n'avons pas l'autre pays qui était colonisé nous. Donc, il y a des histoires qui liées nous à nous-mêmes. Haïti, en tant que pays noir qui était premier indépendant, nous n'avons pas l'autre pays qui était participé dans l'indépendance. D'où nous avons des relations avec eux. Aujourd'hui, dans le cadre de développement, nous sommes capables de jumeler certaines communes en dans le pays avec les communes. Nous avons un volet diplomatique qui permet que nous gardions ce principe diplomatique qui fait de ambassadeurs, consuls généraux et membres mission yo. Est-ce que nomination est faite suivant les normes? Qui ça a rencontré comme problème? Et gon volet économique côté nous chita avec de organismes internationaux pour nous connaître qui enveloppe qui a loué à Haïti combien cob et qui bilan. Si on prend aspect politique là, nous faisons en Europe, nous faisons en Amérique, grand pile commune que ambassadeurs nous yo et consuls généraux côté nous passé yo. Déjà mené des démarches pour permettre que y ait des jumelages qui fait. Sous peu, pour nous retourner, pour nous évaluer, pour nous voir combien de communes en Haïti qui a jumelé à qui commune en Europe et en Amérique côté de base. Le volet diplomatique, nous rencontrons ensemble de problèmes. Il y a un problème numéro un que nous rencontrons, un problème de synergie, à savoir un problème de coordination entre ministère des Affaires étrangères et mission que nous avons à l'étranger. D'où les décisions qu'a prises au niveau international. Responsabilité chaque chef de mission, c'est communiquer avec Port-au-Prince pour Port-au-Prince by directive. D'où, chaque fois que nous arrivons dans la mission, il y a un problème clé qui est soulevé, un problème de directive. Si on vote qui peut le faire au niveau international, avant ambassadeur après décision votée, il faut le demander ou bien directeur général là, ou bien ministre comment pour le voter. Des fois, la communication passe très difficilement, ou du moins, il n'y a pas existé.